Une délégation du Lions Club International chez le vice-président de la transition, le groupe conduit par le gouverneur du district, a effectué une visite de courtoisie ce vendredi au cabinet de José Wandobert. Le point des entretiens avec Bienvenue Minko, Arnaud Mopinde. Élu gouverneur du district 403B1 pour l'exercice 2023-2024 du Lions Club International, le Congolais Yves Kunga est venu rencontrer le vice-président de la République pour une visite de courtoisie. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de la visite des clubs qu'effectue chaque année le gouverneur de district élu. Je suis venu visiter les clubs du Gabon. J'ai commencé par Port-Gentil et là nous sommes à Libreville. Il était pour nous indispensable, après avoir rencontré toutes les autres hautes autorités, de demander au vice-président de nous recevoir parce que nous tenions à lui dire merci. Merci pour l'accompagnement qui a été le sien. Et nous avons ceci que nous servons nos communautés en toute abnégation. Nous ne tirons aucun bénéfice de ce que nous faisons à titre personnel. Nous apportons de notre temps, de notre argent et de tout ce que nous avons physiquement pour nous mettre au service des autres, et cela sans rien attendre en retour. Membre actif et engagé du Lions Club International, ayant occupé plusieurs fonctions clés au sein de son club et contribué à la réalisation de projets importants, le gouverneur du district 403B1, qui séjourne au Gabon depuis une semaine, a rencontré plusieurs personnalités du pays à Libreville et à Port-Gentil. En tant que gouverneur du district, il poursuit ici l'œuvre d'accompagnement bénévole de la structure dont il a la charge au service quotidien des communautés et des populations les moins favorisées.